L'ange numéro 70, Jabamia. Il régit du 6 au 10 mars. Il est l'ange de l'alchimie qui est capable de tout transformer. Il nous aide à devenir soi-même un alchimiste en transmutant le mal en bien. Il facilite la guérison et l'accompagnement des mourants. Lorsque la vie nous lance des pierres, cet ange nous aide à les transformer en pierres précieuses. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Alchimie. Transforme le mal en bien. Compréhension et application de la loi de la résonance. Grande réceptivité et faculté d'aimer dans toutes les circonstances. Guérison. Régénère, revivifie, rétablit l'harmonie. Transforme, transmute en or spirituel. Transforme la société avec des idées lumineuses. Maîtrise les instincts. Guide les premiers pas des défunts dans l'autre monde. Aide à l'accompagnement des mourants. Capacité de visiter les mondes parallèles. De comprendre le travail des guides spirituels et d'apprendre comment on devient un guide et un guérisseur spirituel. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Difficulté à transformer. Transcender le mal, les énergies, situations et aspects négatifs. Blocage, rétention, problème de digestion sur les différents plans, obésité. Problèmes de santé, maladies incurables, difficultés à guérir dues à un surplus de mémoire, pensées, émotions et comportements négatifs. Refus ou résistance face à la réceptivité. Problèmes causés par les besoins instinctuels inassouvis. Débordement. Réaction excessive. Conflit. Affrontement. Rejet de l'autre, manque d'amour, accumulation de sentiments négatifs. Tendance à s'embourber,
lourdeur, incapacité à se déterminer, un objectif. Ignorance de la loi de la résonance ou refus de l'appliquer. Incompréhension du bien et du mal. Athéisme. Incrédulité. Peur des changements et de la mort. Difficulté à accompagner des personnes en phase terminale ou en fin de vie. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Accompagnement des mourants. Calculs rénaux. Cancer. Décès, mort, digestion, estomac, foie, intestin, mère, transformation. Transformation du mal en bien. Douce pensée angélique.